voilà à l'agence de Saint-Marcellin où nous avons rendez-vous avec Anthony Charron qui est magasinier cariste. Il nous parle de son métier, du moins des différentes facettes de son métier. Pour l'heure, la sécurité, c'est important dans le groupe, c'est gilet jaune obligatoire. Alors Anthony, on est venu parler aujourd'hui de ton métier. Ici, c'est la polyvalence qui prime, c'est ça? Ici, oui, on est tous très polyvalents. Tout le monde est vendeur. Le magasinier cariste, c'est le premier vendeur d'ailleurs. C'est l'image qu'on donne, le premier qu'on voit, en fait, c'est le magasinier qui est sur le parc. Et donc j'ai postulé en étant cariste. J'avais une toute petite expérience dans les matériaux. J'avais travaillé pendant une semaine en intérim dans un magasin de matériaux. Et en fait, on m'a donné ma chance, tout simplement. Donc je suis rentré ici en tant que magasinier. Et ensuite, donc, j'ai évolué en tant que magasinier cariste et en tant que vendeur aussi. Là, les avantages aussi d'être une famille, on se voit en dehors, du boulot. Oui, bien sûr. On peut aller dans d'autres agences, on peut aller aussi dans d'autres enseignes du groupe. Et en fait, on peut évoluer comme ça en changeant de région. Même pas trop loin quelquefois, mais ça permet de bouger un peu, de voir d'autres choses, de passer dans une plus grande enseigne, une plus petite enseigne aussi. Ça dépend des desiderata des gens. Et puis il y a une évolution. Avant c'était un métier d'homme, le bricolage était réservé aux hommes. Là maintenant ça devient unisex, donc il y a un véritable appel aussi aux filles. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est un travail qui est ouvert à tous. On a les engins de manutention qui sont adaptés à toute personne. Les sacs et les poids des manutentions maintenant ont beaucoup baissé aussi par rapport à avant. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste d'avoir envie de venir travailler chez nous.